tous troisième vidéo de la journée. Comment je me suis aperçu que Philippot faisait partie de l'opposition contrôlée. Là, je me suis aperçu ce samedi, après avoir été au Gilet jaune, avant de rejoindre la marche la Gay Pride, j'ai fait un petit détour par sa petite manifestation, voir ce qui se passait. Et là, je suis tombé sur lui, avec deux, trois autres qui parlaient. Il y avait tout le monde encore, il y avait encore plus de 200 personnes quand je suis arrivé. Et je lui ai posé la question. Je suis parti voir, je lui ai posé la question, j'aurais dû filmer. Je lui ai dit, pourquoi vous manifestez que le samedi et dimanche prochain et à ce qui paraît, ce sera le 4 la prochaine. Mais le 4, un dimanche, mais Véran et tout, ils sont pas là. Mais non. Ils sont pas là, Véran et tout. Ils sont chez eux, ils en ont rien à foutre que vous soyez devant le ministère de la Santé. Déjà, le samedi, ils en ont rien à foutre, il n'y a personne. Or, le dimanche, c'est encore pire. Il m'a dit oui, mais... Il a commencé à me dire oui, mais c'est comme ça, c'est notre manifestation. Je lui ai dit, pourquoi vous ne rejoignez pas les Gilets jaunes le 3 juillet à la marche des médias? Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, il faut grossir les rangs parce que c'est les médias qui foutent la merde. Il m'a dit oui, mais là, c'est compliqué parce que des fois, je passe sur... C'est news, machin, truc comme ça. Bon, en fait, il ne veut pas se tirer une balle dans le pied parce qu'à chaque fois qu'il passe à la télé, il touche de l'argent. Et puis, il touche de l'argent parce que c'est opposition contrôlée des autres. C'est pour ça qu'il manifeste le dimanche. Le dimanche, vous manifestez devant le ministère de la Santé. Mais ils n'en ont rien à foutre, il n'y a personne. Ça sert à quoi votre manifestation? Il faut y aller la semaine, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit pourquoi on ne manifeste pas une fois dans la semaine. Moi, je viens avec vous. Pour manifester une fois dans la semaine. Si on manifeste une fois dans la semaine, mais moi, je viens avec vous. Je viendrai un jeudi, un mardi, un mercredi. Là, ils seront là. Là, il y aura du monde. Il ne restera peut-être pas là, Véran, parce qu'il est toujours en vadrouille. Mais il y aura ses secrétaires, il y aura ses adjoints, il y aura tout, quoi. Et là, oui, ça sert à quelque chose de manifester en semaine, parce qu'il y a du monde. Mais le week-end, ils n'en ont rien à foutre. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, mais c'est prévu comme ça, ça a toujours été prévu comme ça. Ça a toujours été prévu comme ça. Prévu quoi? C'est tes maîtres qui te l'ont dit? Tu fais l'opposition. Mais le dimanche ou le samedi, quand il n'y a personne, d'accord? Sinon, ça va pas. Sinon, on coupe tes subventions, tout ça. Bah, voilà comment on s'aperçoit que quelqu'un fait partie de l'opposition contrôlée. Lui et d'autres. Eh oui. Bon, ben, bon mardi. Hein. Et n'oubliez pas, la lutte, c'est avec les vrais, pas avec les mythos.